Après un passage du côté de Lille remarqué, Mike Maignan a rejoint l'AC Milan il y a 2 ans, où il est devenu l'un des tout meilleurs portiers de la planète. Devenu le numéro 1 dans la cage de l'équipe de France après l'annonce de la retraite internationale d'Hugo Lloris. Le gardien de but de 28 ans a vu sa cote grimper en flèche et se retrouve forcément suivi de près par les plus grandes écuries du continent. S'il se sent bien en Lombardie, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2026, Magic Mike ne semble pas fermé à l'idée de relever un nouveau challenge à l'avenir. De passage dans Avilliers-le-Bel Val d'Oise, où il a évolué entre 2003 et 2009 avant de rejoindre le PSG, avant de retrouver Clairefontaine, Maignan a répondu à quelques questions, dont l'une sur un potentiel retour dans le club de la capitale, qu'il a quitté en 2015 pour Lille. Et manifestement, le portier des Bleus ne dirait pas non. « Je suis parisien, mais aujourd'hui je suis sous contrat à l'AC Milan. Et pour le futur ?» On ne peut pas savoir, a ainsi lâché Mike Maignan dans des propos rapportés par le Parisien. Puis, le natif de Cayenne a évoqué la prochaine double confrontation contre son club formateur lors de la phase de poule de la Ligue des Champions. « J'ai déjà joué contre quand j'étais à Lille, donc ce n'est pas un terrain que je ne connais pas. Ce sera un grand match, à un rythme élevé, comme j'aime ça. » Le PSG et le Milan croiseront le fer le 20 octobre prochain au Parc des Princes. Puis le 7 novembre à San Siro.